Whalen to trigger in. Gets it to Moore. Moore will get it off. The shot is good. Game three belongs to Maya Moore and Minnesota. Jones denied. Get that out of here. Set Kansas Parker. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette première émission Mail-in WN. France, She Got Game, c'est le nom de l'émission, ce sera le nom de l'émission qui va continuer plus tard, et on est avec toute l'équipe. Bonjour tout le monde, là vous avez le droit de faire du bruit, vous pouvez tous dire bonjour en même temps, c'est pas grave. C'est bon, on arrête là. On va commencer par un rapide tour de table pour avoir la présentation de l'équipe et que tout le monde dise un peu qu'est-ce qu'il fait chez WNBA France et qui il est. Et on commence par toi, Hugo. Donc moi c'est Hugo, à WNBA France je gère la page Instagram, sinon j'ai 19 ans et dans la vie je suis en deuxième année de licence de maths appliquées. Ah ouais c'est du sérieux ici. on enchaîne tout de suite avec Quentin. Donc moi Quentin, 23 ans et puis je m'occupe un peu des podcasts, l'homme de l'ombre du podcast quoi, tout simplement. Et l'enregistreur, sans toi le podcast n'est pas possible. Lily, c'est ton tour. Lily, 26 ans. Ici et là, je suis à la main de la WNBA France avec Jeff. Voilà, c'est tout. Et Jeff, c'est lui par qui on terminera. Et du coup, on continue avec Nico. Alors, moi, c'est Nicolas, 37 ans. C'est moi qui vais m'occuper de la partie Facebook. Donc d'ailleurs, j'incite tout le monde à s'inscrire parce que c'est Facebook qui est un petit peu à la traîne par rapport à Twitter et Insta. Donc n'hésitez pas à suivre la page. Et voilà, donc côté Facebook, j'aurai plus de mon côté, ça sera résumé des matchs, tout ce qui sera été les MVP. Mais voilà, ça sera le matin. Je ne pourrai pas faire de live tweet ayant papa de deux jeunes enfants qui se lèvent très tôt. Il y en a qui on continue avec Erwan. Salut, moi c'est Erwan, j'ai 27 ans, je suis CPE et arbitre de N3, et je m'occupe des live tweets en particulier. Ah, tu fais partie de ceux qui ne dorment pas donc chez WNBA France. Absolument, on est quelques-uns à pas trop aimer ça. On en connaît un d'ailleurs qui dort pas beaucoup, Jeff, comment ça va? Ça va très bien moi. C'est ton tour de te présenter. Jeff, 47 ans, je suis créateur de WNBA France avec Lily, hein, une belle aventure. Je m'occupe de Twitter et des live tweets et de Facebook, un peu tout quoi. C'est le papa de l'émission quoi un peu. Je suis l'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, c'est moi. C'est l'homme de l'ombre. C'est la première fois que vous allez entendre sa voix. Attention. Ou l'homme de la nuit comme vous voulez. C'est Batman en fait. C'est Batman. Tu vois, c'est la Justice League, hein. C'est la Justice League WNBA France. Il fallait notre Batman, il est là. C'est bon univers, hein, Batman Justice League. Oui, ouais, absolument, ouais, t'inquiète pas. Ouais, c'est ça. Je me trompe pas. Et du coup, moi, je me suis présenté ou pas? Non, pas du tout. Non. Du coup, moi, c'est Titouan, 21 ans, et puis je fais la présentation des podcasts. Hein, et puis, je découvre aussi la WNBA avec l'aventure WNBA France. Et du coup, justement, pour pouvoir découvrir la WNBA ou la redécouvrir, il va falloir pouvoir la regarder. Et pour ça, Jeff, je crois que c'est toi le spécialiste en termes d'accès au match et League Pass et tout ça. Je crois que c'est avec toi qu'il faut voir. Alors, le League Pass, il démarre le 24, c'est-à-dire vendredi. Pour ceux qui l'ont déjà depuis l'année dernière ou depuis 3 ans, ça démarre dans la nuit de vendredi, de jeudi à vendredi, par contre, le renouvellement. Et puis, il y aura des matchs sur ESPN, ABC et CBS. Et ceux-là, ils seront accessibles soit sur le League Pass, soit sur les chaînes. Le streaming, c'est illégal, mais c'est vachement pratique. Ouais, mais il y en a qui ont les chaînes aussi américaines. Il y en a quelques-uns. Et puis, il y aura des live tweets sur Twitter, de Twitter de la WNBA. Par contre, malheureusement, quand ils diffusent avec Twitter, nous, en France, on ne peut pas le voir. Ah, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors,
Cette année, je ne sais pas si ça va changer, mais d'après les infos que j'ai, ça va être que US encore. Ouais. Ah bon? Ça y est, donc ça change, parce que l'année dernière, même s'ils diffusaient sur Twitter, on pouvait quand même... Ah non, on ne pouvait pas les voir. Ça, c'est que tu avais le bon VPN. Ouais, c'est ça, il faut un VPN. Sans tricher. Mais avec le League Pass, tu peux avoir... Non, avec le League Pass, on avait accès à tous les matchs. Attendez, parce que là, vous mettez le gros doute. Oui, moi, j'avais accès à tous les matchs. Oui, mais les matchs sur Twitter, nous, on n'y a pas le droit, en tout cas, sauf US. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'en fait, on est en train de dire. Ok, d'accord. Ouais. C'est ça. Non, c'est bon. J'avais bien compris. Le League Pass, il comprend les matchs de la saison et les matchs des playoffs. Tous les matchs. Tous. Ouais. Tout ça pour, je crois, en plus, tout ça, c'est pour une somme... 16,99$. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Pour la saison, pas pour le mois. Ouais, pour la saison. Et vous avez le choix aussi de choisir juste une seule équipe. Mais bon, et un match aussi. Bien... Ouais, et pour voir bon, un seul match par exemple, c'est pour ceux qui veulent découvrir un match pour voir ce que c'est 1,99$ le match. Oui. Ouais. Et pour une seule équipe, c'est 9,99$. Donc pour 5$ de plus, c'est tout le monde quoi. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, voilà. La saison à 15€, c'est pas volé quoi. Rappelez-moi le prix du League Pass pour la NBA en France. 25 par mois. Ouais, voilà. Voilà, c'est juste pour les amateurs de basket. Ça ouais, peut être le moi, mais c'est pas le mien donc. Sauf pas si vous avez un VPN en Inde. Non, je sais pas. Il y a apparemment, il y en a beaucoup. Un petit accent mexicain par ici. Hein. Oui, par exemple, avec un petit sombrero, ça peut marcher. Bon, en tout cas, il y a donc la saison démarre dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est bien ça? Non. Je ne me trompe pas. Vendredi à samedi. Dans la nuit de vendredi à samedi, pardon. Mais le League Pass peut être renouvelé à partir de jeudi à vendredi. C'est ça. En renouvellement, pour ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent s'inscrire dès maintenant. Ils viennent d'ouvrir justement il y a une heure. Donc, et ben voilà. Les inscriptions sont possibles dès maintenant. Donc foncez pour prendre le League Pass pour pouvoir mater ça pendant les vacances. La saison dure jusque quand? La saison, on sait pas trop, mais les playoffs commencent le 11 septembre. Donc après, à voir en fonction du nombre de matchs qu'on va avoir. Voilà quoi. En playoff. Mais en tout cas, ça fait les grandes vacances. Et ça permet de ne pas être sevré de basket en plus. Sur cette longue période. C'est ça. Alors, il me semble qu'il y a des rosters dans chaque équipe. Il y a des rookies, il y a eu la draft récemment. Quels sont, je tiens, un par un, je ne sais pas si vous avez des rookies à suivre, votre rookie à suivre. Attends, Quentin. Deux secondes. Ah bah, j'ai ma rookie à suivre, évidemment. Bah. En tant que Français, on doit tous suivre la même rookie. Ouais. Évidemment. Évidemment. Bah déjà, tu vas expliquer un petit truc là-dessus, bah du coup. Je vais donner une info qui n'est pas confirmée pour l'instant, mais qui sort d'une vraie source. Hein. C'est une source d'un insider de Liberty. Comme vous le savez, jeudi c'est le 23 et toutes les équipes, les 12, peuvent donner leur roster final. Ouais. Et c'est 12 joueuses. Pour l'instant, la plupart en ont 15, 16, 17, ça dépend des équipes. Et jeudi, il faudra donner 12 définitifs pour la saison. Et dans les infos que j'ai, moi, les 12 restants au Liberty, eh ben, il n'y a pas Marine Johannes. Non, il coupe Johannes. Ah, c'est terrible. Elle pourrait, je dis au conditionnel, pourrait être coupée. Alors là, ça va être à suivre jeudi soir. Ça va être. Ça va être l'information. Faut pas oublier que c'est arrivé à Lisa Berkeny, c'est arrivé à Andy Miem qui a joué et qui a finalement été coupé ensuite. C'est très dur hein, de réussir en WNBA. C'est une demi-heure qui a eu beaucoup de mal alors que c'est quand même une chose incroyable. Et quand elle était en WNBA, ça va trop vite. Très peu, hein. Sandrine Gruda a fait sa place au Sparks mais jouait très peu. C'est vrai. C'est compliqué. Hein. L'information pourrait briser un certain nombre de cœurs chez les fans français, en tout cas. On en connaît qui ça va surtout briser une bonne partie du plan com de la WNBA, en fait. Ouais, en France. Ah bah, la WNBA en France, on va le dire. Ouais. Mais même en Europe, hein. J'étais même en Europe. En Italie, et j'ai vu des pubs WNBA avec Marine Johannes et Zanna Lassini dessus.
Ah, mais ça m'étonne pas. Aïe, aïe, aïe. Bah, non, non, c'est. Encore, S'il mais. Si la cut, y a toutes les... ils vont se retrouver avec toute la WNBA sur le dos. Ça va être la folie. Ça va être trop bien. Il faut miser sur une valeur sûre. Il faut miser sur Emma Mismann, les gars. Il faut. Ouais. Là, aussi, ouais. Bah oui, bah là, c'est une valeur sûre. Là. Ouais. Les emballatines, c'est pépite européenne. Hein. Ouais, mais elles sont pas rookies pour le coup. Non. Et non. Bon, alors, du coup, à part la française. Est-ce que vous avez des noms de rookies à suivre Jackie Yang des Ace, elle est pas, vraiment pas mal. Là, qui apparemment a impressionné Aja Wilson hier lors de leur match de pré-saison. Ouais. Ah, elle a été très forte. Oui, parce que là, la pré-saison a commencé, ça arrête quand la Les derniers matchs de pré-saison ont lieu quand C'était hier. Ils ont eu lieu hier. C'était hier, d'accord, c'était les derniers matchs hier. Je vérifie parce que tu sais, je pensais que c'était ça, mais étant donné que je suis encore nouveau alors, dans le game, oui, c'est ça. De... Non, c'est ça. C'est ça, okay. Parce que du coup, ça reprend les prochains matchs là-bas. C'est le 24 pour la reprise. C'est ça. D'accord. Et donc, du coup, la jeune rookie des Ace, il y a. Katie comment... Samuelson. Oui, voilà, c'est ça. C'est elle. Ah, ça, c'est pour Jeff, ça. C'est... Jeff, qu'est-ce que tu as à dire? Oui, ben, moi, j'adore Katie Lou, mais. En plus, sa sœur, Charlie. Chicago, c'est ça, hein. Ouais, Rulicki à Chicago, sa sœur joue aux Sparks. Charlie. Et moi, je pense qu'elle peut réussir. C'est une shooteuse. Ils en ont besoin à Chicago. En plus, avec une joueuse comme Ali, elle va progresser. Ça va être ouf. Et puis, quand elle est passe devant Vandersloot. C'est clair. Bah là, pépite. Je pense que, après, en plus, nouveau coach, c'est James Wade qu'on connaît bien. Je pense qu'il peut faire un super taf avec elle, donc moi j'y crois. Bah d'ailleurs, justement, ça me fait penser. On parle de rookie, mais on vous a pas demandé. Vous avez tous une équipe de cœur, non, en WNBA? Ah oui. Alors, c'est le moment où il faut assumer. C'est... Lily à la moitié de la ligue, de toute façon, qu'elle kiffe. Ah, ça balance. Lily, si tu devais choisir une équipe, ton équipe, ton équipe de cœur, tu vois. Ah bah c'est les Lynx, on va pas se mentir. Minnesota, hein. Bien sûr. Même sans Lindsay Wallen qui est parti à la retraite l'année dernière. Bah moi je fais mon deuil, je suis sur une saison, je dois faire mon deuil sur Wallen et sur Maya Moore. Ouais. Alors bon, je suis un peu dénouée, j'ai un peu. Là je me laisse vivre. On sent la dépression un peu dans la voix de. Ouais non mais je. Même bon, si Smith fait du bien là et ça fait un énorme bien et je suis trop contente qu'elle soit là. Bah c'est pas pareil quand même, c'est pas pareil du tout. Mais bon, écoute, on verra. Donc Minnesota pour Lily. Oui, mais je tiens quand même à préciser que je soutiens Las Vegas depuis très très longtemps et que bah quand ils étaient encore à San Antonio. Et que du coup, là, je vous vois tous arriver dans le train de Las Vegas, depuis l'arrivée de Liz Cambage, je vous note tous un par un dans le train. Donc, bande de tricheurs. Mais j'étais dans ce train depuis bien longtemps et les gens se moquaient déjà de moi il y a bien longtemps. Ouais, c'est... Moi, c'est toi qui conduis le train, quoi. Je conduis. Il n'y a pas de souci. Ah, du coup, Hugo, ça veut dire que tu as rejoint le train? Ah oui, j'ai rejoint le train, mais déjà depuis l'année dernière. J'aimais déjà beaucoup. Le fait que Aja Wilson puisse intégrer cette équipe en plus avec Bill Laimbeer qui est venu aussi rejoindre ça, ils ont fait enfin voilà. Là, ils ont eu un début de saison voilà compliqué, je pense qu'il y avait beaucoup d'adaptations à faire mais ils ont fait une fin de saison incroyable et les play-offs se sont vraiment joués à rien du tout hein quand on regarde leur bataille avec les Wings aussi, enfin voilà, ça s'est vraiment joué à rien donc c'est vraiment une équipe cette année qui peut vraiment espérer pour aller loin. D'accord. Amy, il y a quelqu'un d'autre qui veut rejoindre le wagon là? C'est le moment de le dire. Ah, moi je l'ai annoncé aussi, que je sautais dans le wagon. Nico saute dans le wagon aussi. Mais j'avoue que mes équipes de cœur resteront toujours les Seattle et Phoenix. Ah ouais. Hein. Pour Sue Bird et pour Diana Torres. Merci. Sue Bird, l'amour de ma vie. Excusez-moi, je me suis emporté. Oui, ah, du coup. Je comprends. Moi, j'ai rejoint le wagon Seattle cette année. Hein. Même s'il n'y a pas forcément juste sous Bird, à partir de là. Nous, on prend tout le monde. On sait que tout le monde découvre ça. Un peu la WNBA. Ouais, venez monter dans les wagons. Bien sûr. Je vous emmène avec les
dire, sachez qu'en tout cas à Minnesota, on a 4 titres et qu'il n'y en a pas beaucoup qui les ont. Bah voilà, Jeff, nous au Sparks, on n'a pas à se plaindre. Hein. Ouais, mais non, mais c'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas pareil. Mais t'inquiète pas, on va te rattraper. Les Sparks, là, c'est pareil. Parce que Jeff, du coup, ton équipe de cœur, c'est Sparks. Bah moi, je suis un Lakers à la base depuis très longtemps, donc je suis un Sparks aussi, forcément. Et je change pas de wagon. Hein. Et puis il y a Erwan, je crois, à qui on n'a pas demandé. Ouais, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, Lily dit qu'on recrute tout le monde, mais non, on a recruté des fans de 3 équipes et c'est tout. Parce que entre les Aces, les Sparks et le Storm, on aime tous les 3 mêmes équipes. Moi, je suis un gros fan du Storm depuis des années. Alicia Clark, c'est une joueuse qui m'en met plein la vue à chaque fois, et son duo avec Subur depuis des années, c'est la folie. Et puis bah, l'année dernière, on a juste vu la meilleure saison individuelle de l'histoire. Ouais. Donc avec Stewart qui a absolument pas gagné. Hein. Ah ouais. Oula, ça va commencer. Oula, ça clash direct. Non, t'es pas d'accord, et Jeff. Et puis Quentin. Non, attends, non, je suis pas d'accord. Ça se défend, mais je suis pas d'accord. Pardon. Ouais. Je... Non, mais y a pas de souci. Du coup, tu pensais à une saison de Candace sans... Bah Candace, mais Maya Moore a fait des saisons incroyables. Et puis je dois revenir à Soups. À Tina Thompson, à Tisha Pinichero, des joueuses comme ça qui ont été incroyables, même si certaines n'ont pas de titre. Mais le problème, c'est que là, t'as un historien de la WNBA, donc c'est compliqué de lutter. Tu vois. Qui est-ce qui a dit que Stewie avait fait la plus grande saison individuelle de la WNBA? C'est Erwan. Mais tu vas encore essayer de me virer, c'est ça, Lily? Allez. Ah non, j'essaie de me virer, je suis toujours là. Et t'es et puis, quand même culotté. J'avoue, je suis d'accord avec Jeff là-dessus. Tu peux pas dire que c'est toute saison, toute génération confondue, c'est très très dur de dire ça. Après, elle est sur une saison exceptionnelle, ça c'est indéniable. Mais il y a des joueuses qui ont fait des saisons cartonnesques, quoi. D'où le fait qu'elle a été MVP, quoi. Ah bah c'est clair. Ça. Elle a survolé la ligue la saison dernière. Elle a été MVP au Mondial aussi. Enfin, elle était sur un nuage assez incroyable. Elle était en finale de EuroLeague. Et c'est vrai que là, la fin de saison fait énormément de mal au Storm, mais aussi à l'ensemble du basket féminin. On va pas se mentir, c'est une énorme perte. C'est une blessure très très dure en plus. Et franchement, ouais, pour ceux qui ont raté, Brianna Stewart, elle est blessée. Elle s'est fait les ischios. Non, attends. Le tendon d'Achille. C'est le tendon d'Achille. J'ai retenu qu'elle était en béquille, quoi. Ouais, ça regroupe une bonne partie de blessure. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà. Et sachant qu'elle était sur une excellente saison, c'est triste. Ça fait très mal. Ah bah franchement, ça va beaucoup jouer pour eux, hein, pour cette saison. Bah, on verra bien. Hein. Et puis du coup, juste pour finir, Quentin, je crois que toi, t'as sauté dans le wagon Lynx. Non, pas spécialement, non. Mais non, c'est le wagon Mayamour. C'est le wagon Mayamour dans lequel t'as sauté. Un peu, ouais, mais je vais beaucoup suivre les Aces et les Sky cette saison. Le Sky cette saison. Ouais. Chicago. Bah, ouais, Cathy Lou Samuelson en plus, qui est fan de Larry Bird. Voilà. Elle est numéro 33. C'est ça. Vous remarquerez quand même que j'ai recruté des gens qui ne sont pas forcément dans mon équipe et que je me suis isolée toute seule, sachant que je suis toujours la seule fille. Donc vous remarquerez mon objectivité. Donc c'est beau. Ça va. Voilà, merci. Moi, je tiens à dire aussi que j'ai sauté dans le wagon des Aces, mais je suis quand même aussi en tête de file pour les Sparks. Hein. Je suis toujours avec Jeff. Moi, c'est Candace pour la vie. Hein. Il faut noter. Miquette, là, le truc, c'est que si tu veux, c'est le moment où il faut bien préciser parce qu'à la fin de l'année, on prend les noms et on vérifie. On vérifie, tu sais, on check. Ah ouais, non, moi, je suis dans le wagon des Sparks encore. Hein. Je suis avec Jeff. D'accord. C'est le moment pour faire des paris. Ouais, et moi, je monte dans le wagon du Fever. C'est... Hop, on y va. Magnifique. Il va être très beau ce wagon. Ouais. Attention, très rempli. Fever cette année. Attention. Ouais. Ah, c'est le rush time de Candace Dupré. Mais c'est meilleure équipe de la pré-saison. Hein. C'est 3-0, ouais. Mine de rien. Bah oui. Ouais, mais on sait, c'est ça qui est incroyable. On sait plus ce que veut dire la pré-saison. Hein. Je veux dire. Oui, mais Indiana a vu des super saisons des. Ouais. J'avoue que ça veut un peu rien dire. Bon, il faut qu'on avance là dans ce podcast. Il faut qu'on reste motivé. Du coup, on va passer aux questions. Normalement, tout le monde, Lily a balancé le nom à qui vous devez poser une question. Sur tout et n'importe quoi, vous pouvez... Je crois que c'est à peu près ça, hein, Lily. Oui, c'est ça. Tant que ça a rapport avec le basket. Ouais, même, je crois même ça peut ne pas... Non,
Non, les règles, c'est qu'elles sont assez larges, c'est que ça peut ne rien avoir avec le basket aussi. Donc après, il faut que ce soit. C'est pour se Bah, après, découvrir. ça dépend. Voilà, ça dépendra C'est pour de se votre découvrir. ligne, voilà, de ce que vous allez poser comme Et puis question. du coup, Lily, du coup, comme dit, toi, tu t'es mis quelqu'un qu'il fallait que tu poses une question? Non, parce qu'on nous sommes un nombre impair. Bon, bah, du coup, Lily, toi, Sinon, tu vois. Et en plus, tu moi, je me suis t'excuses du truc. exclue. T'es la seule fan du Linux et tu t'excuses de tes questions. Bon, super, On mais. tournera, rassurez-vous. Ça va. Mais moi, je fais ce que je veux, en fait. Ouais. Elle fait ce qu'elle veut. Fait ce qu'elle veut. Si C'est je peux me carré, permettre. cette chef. Et bah, du coup, on va commencer par Jeff qui doit poser une question à. Et on ne sait pas à qui tu dois la poser. Oui, bah moi, ça va être à Twitter. Ah, bah, yes, super, c'est moi, ça commence. Bah, du coup. Et la question est, comment t'as découvert la WNBA? Oh putain. Ça m'intéresse. Ça, alors ça c'est très Sachant que simple. t'es fan de NBA, je le sais, mais. Bah, en fait, du coup, moi j'ai sur Twitter, donc je suis pas mal actif. Et je crois que j'ai commencé à suivre. Il y avait Erev que je suivais, qui du coup retweetait Lily. Donc j'ai vu Lily apparaître dans ma TL, et j'ai vu le truc de WNBA. Avec WNBA France et tout ça. Après, il y avait Petit KO aussi qui, à côté, j'ai commencé à follow et qui faisait des créations là, WNBA, je crois, de temps en temps. Oui. Et puis, du coup, bah, je suis venu suivre WNBA France. Ça avait l'air cool. Et puis, surtout, du coup, comme on est avec quand on était à World Basketball, un autre, pour le coup, de ça pour la NBA. Et Lily, bah, on t'avait invité à faire un podcast spécial WNBA juste avant le début des playoffs de l'année dernière. C'est ça. Et puis j'avais bien kiffé. Et puis du coup, bah écoute, maintenant ça termine à WNBA France. Hein. Et ben voilà. Ça te va comme réponse? C'était Parfait, assez parfait, détaillé. parfait. Parfait, j'ai évité la question à Quentin sur Tatum, donc tu vois, j'étais sympa. Ah. Ouais, ok. Bah, du coup, ce qu'on fait, c'est que je pose une question Ouais. pour enchaîner. Et puis, bah, moi, ma question, elle est pour Hugo. Yes. Et ma question est, es-tu capable de reconnaître que Sue Bird, c'est la Ah, alors ça, déjà, j'ai fait une grosse erreur que Lily Jeff m'avait remarqué sur Instagram en début d'année, où j'ai dit que Diana Taurasi était la goat. Alors j'ai tout de suite enlevé, parce que c'est vrai qu'en même temps, c'est très subjectif. Mais pour moi, Tellement vrai aussi. elle est voilà. Pour moi, Sue Bird, c'est non, c'est enfin. Pour moi, on n'est pas encore sur la goat. Il y a déjà à son poste, il y a quand même Tisha Penechero qui est aussi énorme, qui a été énorme quand elle jouait aussi. Donc non, pour moi, je suis pas capable Non, d'assumer mais... que Sue Bird c'est la goat. Mais alors, plus sérieusement, qui est ta goat et pourquoi? En sachant que la WNBA n'a que 2 ans, je crois, c'est. 22, 22, ouais, c'est ça, 22. 22 ans. Ouais, c'est la Donc, il 23e année. y a quand même pas. C'est pas. C'est restreint malgré tout. Bah franchement, j'hésite. En fait, je dirais que moi j'ai commencé la WNBA, j'avais 15-16 ans, donc c'était pas il y a pas si longtemps que ça. Hein. Et l'histoire, je la connais voilà depuis, je vais dire, un an et demi à peu près. Avant, je m'intéressais pas forcément à ce qu'il y avait avant. Je m'intéressais surtout au moment présent. Mais j'aime beaucoup, enfin dans l'histoire, j'aime beaucoup Lisa Leslie, qui a pour moi été énorme. Avec son duo, notamment avec Candace Parker quand elle est arrivée aussi au Sparks. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi Diana Taurasi. Elle a 37 ans, elle est au top de sa forme, elle est revenue excellente encore l'année dernière. Elle a réussi à porter Phoenix voilà, jusqu'au bout, jusqu'en demi-finale. Et pour moi, voilà, c'est quelqu'un, enfin, c'est une super joueuse et qui connaît la ligue mieux que personne. Ok, Ah bah ça me va comme réponse, ça me va. Bah Hugo, du coup, t'enchaînes. Alors moi c'était pour Nico. Et Nico, dis-moi, je voulais savoir quelle est ta joueuse européenne préférée et pourquoi? Alors, ma joueuse européenne, c'est une très très bonne question. Alors, j'avoue que j'ai été cette année, j'ai pas mal suivi Yekaterinbourg, hein, qui est quand même qui est la meilleure équipe d'Europe. Et j'avoue que même si je ne suis pas dans le wagon Mythics, Emma Mizman m'impressionne. Ouais. Carrément. Donc voilà, côté européenne, c'est mon cœur va vers elle.
Je comprends. Très compréhensible. Ça peut bien se comprendre. Ah ouais, grave. Ah oui, c'est clair. Là, on peut pas se tromper. Hein. Ah ouais. Et ben Nico, du coup, à ton tour. La question pour. Alors moi, c'était pour Quentin. Et alors, par contre, ça n'a rien à voir avec le basket. Alors moi, la question, vu qu'on fait partie de la Justice League, je voudrais savoir quel super pouvoir tu aimerais avoir et pourquoi. Wow, j'étais tellement pas prêt. Ah bah c'est j'ai dit comme ça. Il avait des fiches et tout. Non, mais Quentin, il avait préparé des fiches et tout. Il était sur un truc. Ah non, non, quand même pas. Quand même pas. Ah, mais il était prêt, prêt pour Tatou, mais pas pour ça. Ah, c'est ça, il était sur un autre dossier là. Alors, un super pouvoir du coup. Désolé. Non, y'a pas de mal. Non, les pouvoirs de The Flash que j'apprécie beaucoup. La super vitesse. La super vitesse. Ouais, la super vitesse. J'avoue. Ça, tu peux c'est remonter dans le temps en plus, tout ça, c'est bien cool. Ouais, c'est pas mal. Voilà, est-ce que ça te satisfait? Très bien. Et bah, Quentin, du coup, moi j'avais une question pour Erwan. Ouais. Quel est ton premier souvenir de basket? Mon tout premier souvenir de basket? Ouais. Bah, moi, c'est un match pro. Mon oncle a été pro à Nantes il y a des années. Et je crois que c'est son premier match dont je me souvienne, où son premier panier, il est servi par Kenny Atkinson, le coach actuel des Nets, qui jouait à l'Hermine de Nantes à l'époque. Et je crois que c'est la première chose dont je me souvienne en basket, la plus vieille en tout cas. Ouais, c'est... Ouais. Et en fait, c'est vraiment le plus vieux souvenir que j'ai. Autrement, il y a évidemment tous les entraînements que j'ai pu faire avant en basket, quoi. Mais ouais, c'était au tout début des années 2000 et je me souviens de mon oncle qui marque sur une passe de Kenny Atkinson. Je sais pas pourquoi ce panier m'a marqué. Ça c'est une belle anecdote. Ouais. C'est une belle, mais grave. Ouais. Mais bon, on en apprend tous les jours. Grâce à qui peut quiz. Pardon, excusez-moi, je me suis. Voilà. Et puis bah du coup, Erwan, je pense que tu as pour Jeff, sinon. C'est ça, exactement. Enfin, du coup, Jeff. Toi qui es un historien du basket, je me demandais, quand tu étais petit, c'était à quel joueur que tu voulais ressembler quand tu joues au ballon avec tes copains? Quand j'étais petit? Oh là. Tu veux dire à la préhistoire? C'est il y a longtemps, mais quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment de joueur, hein, parce que pour voir le basket, c'était compliqué, quoi. Ouais. Mais le premier joueur auquel je me suis identifié, je vais te dire, c'est Magic. Johnson. Oh ouais. Premier joueur que j'ai vu vraiment et trop Magic, c'est incroyable. Quoi. J'ai envie de dire que ouais, Magic Johnson. On a quand même ici quelqu'un qui a vu Magic Johnson jouer en direct. Plus ou moins. Tu vois, j'ai vu aussi. En direct entre guillemets parce que c'était pas du direct. Ouais, avec le replay de la cassette enregistrée sur Canal Plus avec Georges Hédien, un truc comme ça. Ça. Mais ouais, c'est Magic, ouais, les premiers matchs que j'ai vus. Magic et Bird, quoi. Ah, trop bien. Ah ouais. D'accord. Il y a du style. Il y a du style dans cette réponse. Beaucoup de style. Ouais. Mais si je devais... Tu te sens pas un peu bébé, là? Moi, non. C'est Hugo le plus jeune, hein, finalement. C'est Hugo le bébé, ici. Hein. Ah, ça, j'ai joué vraiment entre potes au basket et que j'avais vraiment regardé la NBA de plus près. Bah, c'était Kobe, quoi. Sinon... Oh là là. Je voulais ressembler à Kobe Bryant, mais bon, de loin, de très loin. Oui, bah, je voulais ressembler à Jason Williams. Pour... Oui, voilà, c'est compliqué. Hein. Voilà. Il suffit pas juste d'être petit et blanc. C'est... Non, ça va. Faut surtout réussir une passe, en fait. C'est plus ça le problème. C'est pour ça que t'es devenu arbitre, en fait. Exactement. Je vais dire. Arbitre et CPE, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Ouais. C'est une figure d'autorité que nous avons là. Ouais, grave. Exactement. C'est le summum. Ça, faire une place ou mettre un panier, c'est compliqué. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça, moi, j'étais coach de filles, tu vois, c'était mieux. Ouais. Ah, forcément. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non. Du coup, on précise qu'il y aura des podcasts, on a dit, entre tous les 2 à 3 semaines. On va essayer de s'arranger comme ça. Il n'y aura pas tout le monde, ça tournera. Il y aura sans doute probablement toujours Quentin, parce que c'est lui qui enregistre. Après, je peux ne pas parler aussi. Merci Quentin. Et puis moi aussi, j'essaierai d'être là tout le temps pour animer tout ça.
C'est un peu pour ça qu'on a été recruté. Ouais. Et bah écoutez, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti pour un premier podcast. Ouais, carrément. Et la Justice League WNBA France. Et puis on se retrouve bientôt pour le début de la saison. C'est ça, c'est bon ça. Début de saison à tous. Allez. Merci, vous aussi. Et puis on pense à prendre le League Pass à $16.99 et on arrête de rechigner. Hein. Voilà. Allez. Ciao. Salut. Ciao. Ciao. Salut. Salut.